Bon appétit. Dans la partie 2 de la vidéo, on va tester la glacière plus en profondeur. On va faire quelques tests de consommation. Allez, à toutes. Salut, salut. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis le début, vous savez que l'une de mes premières vidéos, ça parlait des glacières à compression. Aujourd'hui, on va en tester une qui est peu connue. Alors ça, c'est une glacière à compression de la marque Bébor. Je ne connaissais pas, ils m'ont contacté pour tester leur glacière. Donc c'est une glacière à compression, hein, comme font toutes les grandes marques du secteur. Donc ça, c'est un petit modèle, c'est une 15 litres. Je l'ai prise pour quand on part en week-end avec la Golf, en attendant que mon fourgon se finisse. Donc là, 15 litres, juste pour amener le casse-croûte, 2-3 bricoles, une boisson, ça suffit largement, pas besoin de plus grand. Donc, pour ceux qui me connaissent, on avait déjà une glacière à compression de 35 litres dans le trafic. Donc ça, c'est le même principe, seulement c'est une 15 litres, la marque Bébor. Donc, je vous mets les liens en description, ils font plusieurs modèles, hein, 15 litres, 20 litres, 25 litres, etc. Donc, on va juste faire un petit tour du panneau de contrôle que je trouve bien bien foutu. Pour déjà avoir eu une glacière à compression, j'avais pas toutes les informations que donne le panneau de contrôle de celle-ci. On va faire le tour. Donc, regarde, tout simple. Là, tu l'allumes. Là, c'est la température qui fait actuellement dans la glacière. Ça, c'est le voltage de la batterie. Donc, actuellement, je suis branché sur secteur. Donc, c'est normal qu'il y ait 14,3. Là, ça te donne le niveau de la batterie. Donc, pour une tension de 14,3 volts, forcément, il estime, la glacière estime que la batterie est pleine à 100%. Là, tu règles la température. Donc, ça va de moins 20. Et oui, vu que c'est une glacière à compression, ça fait congélateur, ça peut descendre jusqu'à moins 20. À ne pas confondre avec les thermoélectriques. Les glacières thermoélectriques, c'est franchement nul, ça descend que 10 degrés sous la température ambiante, à peu près 10-15 degrés. Tandis que là, c'est la même technologie qui est équipée votre réfrigérateur de maison ou votre congélateur. C'est un système à compression avec du gaz.
Donc si là je décide de mettre moins 20, dans à peu près 45 minutes, 1 heure, il y aurait effectivement moins 20 dans la glacière. Qu'il fasse 20 degrés à l'extérieur ou 40 degrés à l'extérieur, il fera moins 20 là-dedans. Donc ça c'est un point important. Donc on peut régler de moins 20 à plus 20, il me semble. Ouais, c'est ça, 20. Donc là, on va la mettre sur 3 degrés. Voilà. Après, là, il y a une prise USB de 1 ampère pour charger téléphone ou n'importe quoi. Donc c'est une prise de 1 ampère. Si j'appuie sur le bouton de réglage ici, donc là, on voit le max qui clignote et là, ça se met en mode éco. Donc il y a deux modes. Donc quand vous êtes en road trip, vous voyez que la batterie elle commence à être limite, que votre batterie commence à être limite, vous pouvez la mettre en mode éco. Donc ça c'est intéressant. Moi je vais la mettre en max. Ensuite, si on reste appuyé longtemps là-dessus, on peut voir le H là clignote. LMH. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est la protection de votre batterie. Donc si vous mettez sur H, on peut voir dans la notice, donc si vous mettez sur H, elle se met en route quand votre batterie elle a une tension de 12,4 volts et elle se coupe quand votre tension de batterie tombe à 11,1 volts. C'est pour protéger votre batterie. Si vous mettez sur médium, M comme médium, ça va couper à 10,1 volts et se remettre en route vers 11,4. Et sur L, ça coupe à 8,5 volts et ça se remet en route vers 10,9. C'est vraiment pour protéger votre batterie. Moi, je vous conseille de laisser sur H parce que si votre tension de batterie elle tombe à 11,1 volts, il est tout doucement temps d'arrêter de consommer sur la batterie. Donc, au pire, médium, mais plutôt H. C'est pas mal. Donc voilà, la notice, elle est en anglaise. Ça, voilà, dommage que c'est pas traduit, mais bon, il y a franchement rien de dur, on a fait le tour. Hein. Donc, une impulsion sur réglage, vous passez en mode éco, vous restez appuyé dessus, vous choisissez le niveau de protection de batterie entre L, M, H. Donc, low, medium, high. Mon anglais, super, quoi. Voilà. Et ici, vous choisissez la température. Alors, deux choses. Si vous la branchez sur une prise d'allume-cigare, vous pouvez la brancher sur du 12 volts. Et pour ceux qui voudraient l'utiliser dans un camion en 24 volts, c'est tout à fait possible. Avec la prise d'allume-cigare, elle accepte du 12 volts et du 24 volts. Avec l'adaptateur secteur, comme je l'ai branché actuellement dans mon cas, ça fonctionne sur du 110 volts et du 220 volts. Donc c'est franchement polyvalent. Donc 12 volts, 24 volts avec la prise d'allume-cigare et 110 et 220 volts avec l'adaptateur secteur. Donc de ce point de vue-là, vous n'êtes pas embêté. Donc c'est une 45 watts et elle fait 45 décibels seulement. Et ça, franchement, c'est pas mal. On l'entend quasiment pas. Bon, ça fait un petit bruit comme votre frigo de la maison, j'ai envie de dire. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est la différence de consommation entre le mode éco et le mode max. Voir si on voit une différence, tu vois. Donc je vais brancher l'ampèremètre entre pour tester ça. Et le deuxième test qu'on va faire, c'est je vais filmer en time-lapse pour voir en combien de temps elle passe de 14 degrés, c'est la température qu'il fait actuellement dans le garage, voir de combien de temps, en combien de temps elle passe de 14 degrés à moins 20. Donc voilà, on va chronométrer ça et filmer. Donc vous pouvez voir la descente en température. Donc là, c'est parti pour le test de consommation. Voilà, donc là, je l'ai câblé sur une batterie de voiture que j'ai mis en charge et entre, j'ai intercalé l'ampèremètre. Donc là, on voit qu'elle consomme 2 ampères à peu près. Donc là, je suis à 13 volts, donc 2 ampères, ça fait 26 watts. Elle consomme moins que prévu puisqu'elle est donnée pour 45 watts et là, j'ai une consommation réelle que de 26. Voilà, donc là, on va chronométrer avec la vidéo. Je le ferai à l'ordi. J'ai pas d'autres chronomètres à poser à côté. Il faudra me croire sur parole. Donc là, je suis à 9 degrés. 8, 9 degrés. Je vais la mettre à moins 20. Et on va voir combien de temps elle met pour baisser les 29 degrés. Voilà. Donc là, je vais laisser la vidéo le temps nécessaire. Donc là, en mode éco, je consomme 2 ampères à moins 2. Donc là, j'ai mis en consigne moins 20. Je suis actuellement à moins 2. En éco, je consomme 2 ampères. Si maintenant je mets en max,
Voilà, tu vois, le compresseur, il monte en régime. Donc, elle est légèrement plus bruyante en mode max et elle consomme plus qu'en mode éco. Là, je suis déjà à 2,3, 2,4 et ça va encore augmenter, tu vois. Et avant, je ne sais pas si tu as entendu, quand je suis passé en mode éco, on a vraiment entendu le moteur baisser de régime, tu vois. Tu as lâché à 2,9 ampères, 3 ampères. Tandis qu'en éco, j'étais tombé à 2 ampères. Donc voilà, le Eco et Max, ça fonctionne bien. Donc actuellement, je suis à moins 5 degrés et ça fait 13 minutes qu'elle tourne. Ah ben voilà, on est à moins 20. Donc je vais voir avec la vidéo en combien de temps on est passé de 6 degrés, je crois qu'on a commencé jusqu'à moins 20. Donc voilà, je regardais dans la vidéo combien de faire. En 22 minutes, elle est passée de 6 degrés à moins 20. Donc, je pense que c'est à peu près équivalent à l'autre test de glaceur à compression que j'avais fait. Il faut compter 20 minutes pour passer de 20-25 degrés à 3 et 1 heure pour passer de 20-25 degrés à moins 20. Après, ça dépend aussi du volume. Là, c'est qu'une 15 litres, elle était vide. Si dedans, je l'aurais rempli de bouteilles, ça aurait été peut-être un peu plus long, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est des glacières. Ça n'a rien à voir avec les glacières à 40 balles, les thermoélectriques. Ça vaut rien, franchement. Parce que les thermoélectriques, ça peut descendre 10 degrés sous la température ambiante. Donc s'il fait 30 degrés dans ton fourgon, il fera environ 15-20 degrés dans la glacière, ce qui est ridicule. Tandis que là, c'est vraiment comme à la maison. Regarde là le petit logo que j'ai vu, le logo Bluetooth. Et oui, donc regarde. J'ai pris un autre téléphone, je vais essayer de te montrer. Tu télécharges l'application Car Fridge Freeze. Toujours avec mon anglais, avec le bon accent alsacien. Alors, on installe ça. Donc voilà, une fois que tu as téléchargé l'application, tu l'ouvres. Tu fais Start Scan. Il détecte une glacière, tu vois. Je clique dessus. Et là, il y a écrit Appairer, App. Et là, il te demande de presser la touche préférence. Donc, tu appuies là. Ah merde, j'étais trop long peut-être. Voilà, tac, tac. Voilà, donc là, elles sont appairées, tu vois. Là, je peux régler la température. Donc, regarde. Voilà, elle se met en route, tu vois. Voilà, je vais mettre 15 degrés. Donc, tu peux régler la température à distance, tu peux l'éteindre, tu peux aussi l'allumer avec le téléphone. Tu peux choisir tes modes de protection de batterie, ce que je t'ai dit avant, L, M, H. Donc, L, tu vas décharger beaucoup la batterie avant qu'elle décide de plus s'allumer. M, médium. Et H, ben, tu vas décharger très peu la batterie, tu vas préserver ta batterie. Voilà, donc ça, tu as le mode éco que tu peux activer. Voilà. Tu peux bloquer les paramètres pour que... Ouais, ben là, sûrement, ça changera plus rien. Voilà. Donc là, c'est bloqué. Tu peux passer en degrés Fahrenheit ou Celsius. Voilà. Et là, le dernier bouton sur lequel j'ai appuyé, c'est pour déparer les deux appareils. Donc voilà, c'est pas mal. Moins 20, là elle va se mettre en route, normalement. Voilà, tu vois, elle se met en route. Voilà, off. Donc c'est pas mal. Donc voilà, je suis plutôt agréablement surpris, hein, par cette petite glacière. Hein. Comme dit, pour nous, pour juste les week-ends, quand on part en voiture, une 15 litres, ça suffit. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est l'application avec le téléphone. Parce que si je la mets dans le coffre, ben, je peux, voilà, je peux régler la température. Sans avoir besoin d'accéder au panel de commande ici. Il y a une petite prise USB, 5 volts, 1 ampère. Le mode Eco ou Max, on a bien vu que, en fonction de la température, ça change pas mal. Niveau conso, on est à 2 ampères, donc 24 watts. Des fois, ça monte à 3 quand on est au mode Max. Donc ça fait 36 watts. Donc franchement, j'ai rien à dire. Niveau les matériaux, franchement, ça a l'air pas mal. Il y a des bonnes poignées ici. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description.
Merci à Bébor qui m'a autorisé à tester cette glacière. Ma chaîne YouTube, elle a commencé avec ça, donc voilà, j'étais bien obligé de refaire une vidéo sur les glacières. Donc voilà, rien de plus à dire. Allez, à la prochaine, merci, ciao ciao! Thank you.